Bien entendu, je dénonce le boycott d'Israël et je dénonce le gel des accords. Nous n'avons pas voté ces textes au Parlement bruxellois. Ils ont été votés par une majorité Olivier et une fois de plus par une majorité influencée par des problèmes de communautarisme. Donc le Parlement bruxellois a dans ses compétences l'emploi, la mobilité et la circulation. En réalité, ce communautarisme qui est malheureusement très présent dans ce Parlement bruxellois fait qu'il se mêle en quelque sorte de choses qui ne le regardent pas directement. Donc pourquoi est-ce que le Parlement bruxellois ne s'est pas prononcé sur la situation des droits de l'homme dans une grande partie du monde musulman, sur la situation des droits de l'homme en Chine ou au Tibet, et a visé de façon spécifique Israël? Donc c'est ce deux poids, deux mesures que je commence, que je dénonce fermement. Et bien entendu, on n'a pas, un Parlement régional n'a pas à s'immiscer pour boycotter un pays ou pour geler des relations universitaires, d'autant plus qu'il le fait uniquement à l'égard d'Israël. Il ne le fait que à l'égard d'Israël et à l'égard d'aucun autre régime au monde. Donc il y a effectivement, là encore, à mon avis, une manifestation d'antisémitisme qui avance masquée sous le couvert de lutter contre le sionisme. Alors, vous savez, on dit « Ah non, non, on n'est pas antisémite, on est antisioniste ». Et donc, cette posture est malhonnêtement intellectuelle. En réalité, il s'agit de stigmatiser Israël et probablement, derrière Israël, parce que c'est la réalité bruxelloise, les Juifs également.